Frères et sœurs, bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous dominical, ce rendez-vous si précieux. Nous reprenons aujourd'hui le cours ordinaire de la vie liturgique après une série de solennités. La liturgie du 12e dimanche du temps ordinaire est un appel à la foi, au témoignage, la confiance en l'amour bienveillant de Dieu. Le Christ nous exhorte à ne pas craindre ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Il plane dans le monde, aujourd'hui, frères et sœurs, un sentiment de peur, de crainte. Il va sans dire qu'il est multifactoriel. Plusieurs facteurs concourent à imprimer dans nos esprits cette peur. Ils sont d'ordre naturel, socio-économique, sanitaire, anthropique, c'est-à-dire provoqué par l'homme. Comme disait Thomas Hobbes, homo homini lupus, c'est-à-dire quand nous allons faire ce listing, vous verrez comment les maux causés par l'homme rentrent dans le cadre de la source la plus importante de peur, laissant chez nous un climat de tension. La haine, générant le racisme, le cas de George Floyd, les luttes fratricides. Il y a chez nous la violence sur les femmes et les enfants, le trafic humain, le trafic d'organes, toutes les violences portant atteinte à la dignité de la personne humaine. Il y a les conflits et les guerres, la tension grandissante entre l'Inde et le Népal et la Chine. Il y a aussi la Corée du Nord, la Corée du Sud, la Syrie, l'Afghanistan, pour ne citer que cela. Il y a le banditisme organisé dans notre pays, la majorité des gangs armés, par le gouvernement, par le secteur privé des affaires, dit-on, tous, presque tous, au service des hommes d'État. Il y a l'insécurité alimentaire, combien d'enfants, de jeunes, d'adultes qui ne peuvent pas se procurer le pain quotidien, conséquence d'une mauvaise répartition des richesses. Il y a la crise sanitaire mondiale que nous classons parmi les sources anthropiques. Jusqu'à présent, nous ne savons pas la véritable origine de la COVID-19 qui n'a pas de critères, qui n'a pas de frontières. Voilà, c'est dans ce contexte de peur généralisée plus ou moins que l'évangile d'aujourd'hui nous invite à n'éprouver aucune crainte. Et Jésus nous dit, ne craignez pas les hommes. Rien n'est caché, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. La vie de l'homme n'a aucun secret pour Dieu. Le cœur de l'homme n'a aucun secret pour Dieu non plus. Il sait de quoi sommes-nous capables. Il sait ce qui est bon en nous, aussi bien ce qui cloche en nous. Il le sait. Et il nous dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Le sens de ces mots va au-delà d'une vision dualiste de l'homme, corps et âme. Mais cela veut nous rappeler que l'homme est un tout organisé, reflétant le génie créateur de Dieu. Ce Dieu qui nous créa à son image et à sa ressemblance avec une existence impérissable. Bien que la grâce ne détruise pas la nature humaine, mais elle la perfectionne, nous élevant à la dimension de fils de Dieu, d'enfant de Dieu, habité par la grâce, habité par l'Esprit qui nous fait crier « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est en Jésus-Christ que nos doutes, que nos peurs, que nos souffrances trouvent une véritable réponse. C'est en lui que la vérité s'est révélée, c'est Dieu l'unique, le bon, le beau, le vrai. Jésus, en faisant référence à l'analogie des moineaux, nous parle de la providence divine, Dieu qui prend soin de ses enfants, Dieu qui sans cesse épouse notre condition humaine, comme il l'avait fait en Jésus-Christ. Désormais, Dieu se communie à nos douleurs, à nos souffrances, à nos peurs. C'est lui qui nous inspire quoi faire. Il y a le théologien François Varone qui parlerait de
providence d'inspiration. C'est Dieu qui inspire à l'homme sa volonté. C'est Dieu qui inscrit dans le cœur de l'homme sa volonté. En pleine COVID-19, où nous sommes envahis par la peur. Peur de sortir de chez nous. Peur de communiquer. Peur d'aborder les autres. Peur d'affronter la solitude. Peur de reprendre le cours normal de la vie. Le Seigneur vient nous dire, n'ayez pas peur. Devant toutes ces situations, il faut oser, risquer, témoigner du Christ. Car en lui, nous espérons, c'est son regard d'amour qu'il a posé sur nous, sur la croix, qui nous a libérés, qui nous a affranchis de toute souffrance et de toute peur. L'évangile d'aujourd'hui est un appel à la foi, au témoignage. Chrétiens, chrétiennes, nous portons en nous une mission, celle de témoigner du Christ, de son amour, de sa miséricorde. Et ceci, nous marchons à contre-courant du monde, un monde qui tente et qui tend à rejeter le religieux, où la profanation devient coutume quelque peu. Ce même monde tente à sacraliser une morale contestable des mœurs. Nous aussi, nous devons clamer librement notre fierté d'être chrétien, notre fierté d'être partisan du Christ. Il nous faut faire connaître au monde l'immensité de l'amour libérateur de Dieu, manifesté en son Fils, champion de l'amour, champion de l'humilité qui ne fait pas de bruit. Vous qui servez le Seigneur, attendez que vous soyez calomniés comme Jérémie, que vos ennemis disent « Peut-être se laissera-t-il séduire, nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. » Combien de gens attendent votre chute? N'ayez crainte, le Seigneur est avec nous tel un guerrier redoutable. Notre cher Haïti est rongé par l'égoïsme, les ambitions mesquines, le virus politique. Nous ne voulons pas voir progresser nos frères et sœurs. Nous redoutons le succès de nos frères et sœurs. Nous les persécutons. Dites-vous bien, ce sont vos persécuteurs qui trébucheront. Il ne peut y avoir de honte pour le serviteur du Seigneur. L'expression la plus répétée de la Bible est « N'ayez pas peur, ne crains pas ». Cette expression est répétée 365 fois. Citée 365 fois, c'est comme si 365 jours de l'année, le Seigneur, chaque matin, nous dit « Ne crains pas, n'aie pas peur, je suis avec toi ». Eh bien, n'ayons pas peur de témoigner du Christ, de témoigner de lui devant le monde, car ils l'ont dit « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Écoutons en ce jour sa voix qui nous dit « Ne crains pas, je suis avec toi, ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. » Isaïe chapitre 41, le verset 10. « Ne crains pas, je suis avec toi, ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. » Amen. Bon dimanche, bonne semaine.